sont loin de Niamey, je vous informe qu'il est en train de pleuvoir ici. On a prévu l'installation dans les grands halls du CCOG, mais hélas, il a fallu transférer à l'intérieur de la salle de conférence. Pour ce faire, donc on a attendu et nous allons commencer avec vous. Nous avons un grand conférencier ce soir. Mesdames, Messieurs, la solution des facilités dit Chekanta est très difficile à être présenté et puis on passe directement à la conférence. Mais le point qu'il en soit, j'ai une multitude de livres ici que j'ai pu avoir grâce à M. Boubegado et au Franco, ainsi qu'au Seltou. Notre conférencier de ce soir, je le résumer en disant que c'est un grand homme. C'est un historien. Plusieurs livres ont été écrits par lui. C'est un homme de culture, c'est un homme politique. Un homme de culture, depuis 1955, il a fait un certain nombre de livres qui sont bien connus de vous, tels que Nation, Nègre et Culture, Antériorité des civilisations nègres, Mythe ou Vérité, Les fondements culturels, techniques et industriels d'un futur État fédéral d'Afrique noire, L'Afrique noire précoloniale, L'unité culturelle de l'Afrique noire, etc. Il est également linguiste et égyptologue. Où c'était fait, plusieurs autres écrits ont été faits dans ce domaine. Il nous a écrit l'Antiquité africaine par l'image, le peuplement de l'Égypte ancienne et le déchirement de l'écriture méotique, etc. Il est également physicien. Vous avez sûrement vu ou entendu parler des écrits sur le laboratoire de radiocarbonique de l'IFAN, physique nucléaire et chronologie absolue. Il a participé à la mise en place de plusieurs volumes sur l'histoire générale de l'Afrique, qui a sorti un volume en ce moment. Linguiste, comme je vous l'ai dit, il nous a écrit sur la parenté génétique de l'Égypte pharaonique et de langues négro-africaines. Son dernier volume, La civilisation ou barbarie. Chekanta, comme je vous l'ai dit, historien, philosophe, linguiste, physicien, anthropologue, etc. L'homme qui appartient à la classe des grands hommes, tels que Léonard de Vinci, qui ont tout fait de leur vivant. L'Afrique doit être fière d'avoir eu des fils semblables. En politique, il est également secrétaire général du RND au Sénégal. Ce soir, si je tente de parler de Chekanta, il serait très difficile, comme je vous l'ai dit au début, de le présenter. Il a écrit également plusieurs articles sur les sciences physiques et sur les sciences sociales, des dizaines d'articles. Ce soir, il va nous entretenir sur un thème acuitant, un thème d'actualité, un thème qui concerne vous, si moi, un thème, disons, qui est nous, sur l'apport de l'Afrique à la civilisation universelle. Thème très alléchant. Pour en savoir plus, écoutons plus le conférencier. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, il se fait tard et pourtant j'aurais voulu vous parler, vous entretenir ce soir assez longtemps pour pouvoir vous communiquer un certain nombre d'informations qui me paraissent essentiel
Hélas, je serai bien obligé de me résumer. Mais j'essaierai, autant que faire se peut, de vous communiquer quand même l'essentiel du thème de ma conférence. Aujourd'hui, en effet, nous devons parler de l'apport de l'Afrique à la civilisation universelle. De quoi s'agit-il? L'Afrique passe pour un continent, pour être un continent fauste, qui n'a presque rien apporté à la civilisation. On parle souvent du rendez-vous du donner et du recevoir, en supposant que d'ici là, l'Afrique aura fait ses preuves et que peut-être, dans la phase ultime du développement de la civilisation universelle, l'Afrique apportera quelque chose à l'humanité. C'est vraiment renverser le courant de l'évolution et raconter l'histoire à rebours que de concevoir le développement historique de cette façon. Parce que c'est bien le continent africain qui fut à l'origine de tout le développement de la civilisation. Je voudrais seulement saisir trois grandes étapes de cette évolution et m'entretenir avec vous là-dessus. Au tout début donc, maintenant cette question ne se dispute plus, ne se discute plus âprement, mais il y a une trentaine d'années, pour être sérieux, il ne fallait pas considérer que l'Afrique puisse être réellement le berceau de l'humanité. C'était une idée qui paraissait extrêmement saugrenue et il fallait même faire preuve d'un grand courage intellectuel pour avancer une telle pensée. Depuis, la recherche s'est développée et vous en connaissez les résultats. Nous savons aujourd'hui que l'Afrique est bien le berceau de l'humanité. Mais vous me direz tout de suite que le berceau de l'humanité, on a dit que c'est un berceau à roulettes et que il passe d'un continent à l'autre. En fait, ceci est inexact. Ce berceau, on l'a placé au début en Asie pour des raisons bien connues, relevant de la tradition biblique et aussi des apparences. C'est en Asie que se trouvent les trois races. On a en Asie des noirs, des blancs et des jaunes. Et la tradition biblique aussi plaçait le berceau de l'humanité sur ce côté. De la sorte, les premiers archéologues, tels que Sir Bernard Boulet, ont essayé de vérifier la véracité biblique. Et donc, des fouilles ont été entreprises en Mésopotamie pour montrer que le déluge a bien eu lieu et que la Bible a dit vrai. En Asie, on a trouvé le Pithecanthrope. Ces minces éléments ont suffi pour placer le berceau de l'humanité en Asie. Mais dès que la recherche s'est intensifiée, on s'est aperçu que c'est vers l'Afrique plutôt qu'il faut regarder, d'autant plus que des auteurs comme Darwin avaient déjà suggéré cette idée-là. Maintenant, les fossiles et les vestiges trouvés en Afrique ne laissent plus aucun doute sur le fait que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Et depuis que le berceau a été placé en Afrique, je vous l'ai dit, il ne l'a plus quitté. Et chaque jour, la recherche dans le domaine de la préhistoire
en matière dans le domaine de l'archéologie préhistorique prouve que l'Afrique est bel et bien le berceau de l'humanité. 6 spécimens d'hommes, si on peut les appeler ainsi, le terme est relativement impropre pour certains d'entre eux, mais pour nous exprimer d'une façon imagée, disons que 6 spécimens d'hommes sont nés en Afrique, ont vu le jour en Afrique. Les 3 premiers n'ont pas atteint, semble-t-il, dans l'état actuel de la recherche, un potentiel d'expansion suffisant pour sortir de l'Afrique. Mais les 3 autres en sont sortis pour peupler les autres continents. Les 3 premiers sont l'Australopithèque robustus, ce sont des noms barbares, je ne m'attarderai pas sur ces questions-là. C'est donc l'Australopithèque robustus, l'Australopithèque gracile et l'Homo habilis. Ces 3 spécimens, on ne les trouve pas sur les autres continents dans l'état actuel de l'archéologie préhistorique, de la recherche dans le domaine de l'archéologie préhistorique. Mais l'Homo erectus, qui est apparu en Afrique il y a environ 2 millions d'années, l'homme de Néandertal, que l'on appelle maintenant et que l'on appelait aussi l'Homo faber, et que l'on appelle maintenant l'Homo sapiens, et ainsi que l'Homo sapiens sapiens, ces 3 variétés sont sorties de l'Afrique pour aller peupler le reste du monde. L'Homo erectus est sorti de l'Afrique très probablement vers 1 700 000 ans. Il y avait 2 voies de sortie pour cette humanité, soit par l'isthme de Suez, soit aussi par le détroit de Gibraltar. Ce sont les voies qui ont été pratiquées par la première humanité née en Afrique sous la latitude du Kenya, dans cette région de l'Afrique de l'Est, qui comprend à la fois l'Éthiopie, le Kenya, la Tanzanie et même l'Afrique du Sud. Donc, cette humanité qui est née dans cette région est sortie de l'Afrique par l'isthme de Suez et par le détroit de Gibraltar. L'Homo erectus est entré en Europe il y a environ 400 000 ans. Il a été suivi par l'homme de Néandertal très probablement vers 100 000 ans ou 150 000 ans. Et l'Homo sapiens sapiens, lui-même, c'est-à-dire l'homme qui est à la fois comme vous et moi, c'est la dernière forme, si vous voulez, de l'humanité. L'Homo sapiens sapiens est sorti de l'Afrique il y a 40 000 ans et est allé peupler également l'Europe. Voilà donc le processus de la formation, si vous voulez, de l'humanité, de l'apparition de l'humanité, et aussi le déplacement de cette humanité vers les autres continents. Si l'humanité était restée seulement en Afrique, elle ne se serait pas différenciée en races. Le continent africain présente une climatologie qui ne justifie pas extrêmement la différenciation raciale. Donc la race est une notion géographique. Et c'est parce que l'Homo sapiens sapiens est sorti de l'Afrique il y a 40 000 ans pour aller peupler l'Europe en particulier, qu'il est entré en Espagne et en France, qu'il a séjourné dans cette région dans des conditions extrêmement dures, parce que c'est pendant la dernière glaciation wurmienne qui a duré 100 000 ans que l'Homo sapiens sapiens est sorti de l'Afrique. Donc c'est parce que cet Homo sapiens est sorti de l'Afrique pour aller en Europe, dans ces conditions très spécifiques, qu'il s'est opéré une différenciation raciale.
l'humanité qui est née en Afrique il y a 120 000 ans, en l'espèce de l'Homo sapiens sapiens, cette humanité était nécessairement négroïde, comme vous le savez. Vous savez bien que les organismes supérieurs nés sous la latitude du Kenya, pour survivre dans les conditions de la préhistoire, devaient être nécessairement pigmentés. L'organisme devait être nécessairement protégé du flux des rayons ultraviolets sous la latitude du Kenya pour pouvoir survivre. Donc, l'écran de mélanine est fonctionnel. C'est un bouclier qui protège l'organisme des rayons ultraviolets pour lui permettre de survivre, et c'est la raison pour laquelle cette humanité qui est née par hasard en Afrique était nécessairement négroïde. En émigrant dans les conditions de la préhistoire pour aller en Europe, elle s'est adaptée à d'autres conditions diamétralement opposées aux conditions de vie de l'Afrique, et c'est pour ça que progressivement elle a blanchi pour devenir leucoderme. Ce laps de temps est évalué à peu près à 20 000 ans si nous considérons la date, l'époque de l'entrée de l'homme de Grimaldi, c'est-à-dire du premier Africain en Europe. L'homme de Grimaldi, ainsi qu'on l'appelle, est entré en Europe il y a 40 000 ans. Il est resté sur place, il a évolué sur place jusqu'à moins 20 000 ans pour qu'apparaisse pour la première fois sur la planète la morphologie du leucoderme et par conséquent le type humain qu'on appelle la race de Cro-Magnon. Il faudra encore attendre 15 000 ans pour qu'apparaisse le type que l'on appelle communément l'homme de la chancelade et qui serait le prototype du jaune. Pendant le paléolithique supérieur donc, voilà les trois races qui vont exister dans les conditions de la glaciation burmienne, et la toute première, qui est la race noire, s'est étendue de l'Europe de l'Ouest jusqu'au lac Baïkal, à travers la Crimée, le bassin du Don, toute la région de l'Europe actuelle, partout on trouvait, il y a 32 000 ans, on trouvait qu'une seule humanité homogène, c'était cette humanité négroïde, qui, en s'expatriant, se différenciait aussi. C'est la même humanité aussi qui a fini vers moins 15 000 ans, qui a traversé le détroit de Bering pour aller peupler également les trois Amériques. Justement, le peuplement de l'Amérique est une confirmation de l'origine monogénétique de l'humanité, parce qu'en Amérique, vous avez toutes les transitions climatiques depuis la Terre de Feu jusqu'en Alaska. Vous avez donc toutes les zones climatiques possibles qui existent. Mais l'Amérique n'a pas connu d'homme fossile. Il n'y a pas, par exemple, en Amérique, ni d'Homo erectus, ni d'Australopithèque robustus, ni d'Australopithèque gracile, ni d'Homo habilis, ni d'Homo erectus. Parce que comme je vous ai dit que les trois premières variétés ne sont pas sorties de l'Afrique, c'est tout à fait normal qu'on ne les trouve pas en Amérique, mais l'Homo erectus est bien sorti de l'Afrique et on ne le trouve pas en Amérique. De même, l'homme de Néandertal est sorti de l'Afrique et on ne le trouve pas non plus en Amérique. Donc, nous voyons bien que l'origine monogénétique de l'humanité, qui au premier abord paraissait relativement invraisemblable, est confirmée par l'archéologie préhistorique. Si j'avais le temps, j'aurais parlé de la philosophie qui sous-tend les deux thèses qui s'affrontent aujourd'hui dans le domaine de l'hominisation et de la théorie de l'hominisation. Vous savez bien que
Il y a la thèse monogénétique qui s'appuie sur toutes ces données de l'archéologie préhistorique, mais à côté aussi, il y a la thèse polycentrique qui voudrait que certaines conditions étant réunies, la nature ait créé ici un homme jaune, là un homme blanc et ailleurs un homme noir. Cette thèse, qui est aussi la thèse du bon sens, eh bien, elle n'est pas confirmée par les faits d'archéologie préhistorique. Et lorsqu'on y regarde de près, elle est même la plus invraisemblable parce qu'il est extrêmement improbable que la nature, au cours de son évolution, passe deux fois par le même point. Bref, c'est la thèse monogénétique qui est confirmée. La thèse polycentrique est sous-tendue aussi par des préoccupations, disons, raciales, pour ne pas dire racistes. Tout ce que je vous dis sur l'origine de l'humanité ne doit pas nous inciter à tirer la moindre gloriole, si je puis dire, du fait. Il nous faut seulement considérer que c'est un fait du hasard. Mais si on le perd de vue, on explique l'évolution à rebours et on enlève l'appétit intellectuel aux chercheurs et aux étudiants. C'est donc le seul intérêt que présente cette thèse, c'est parce qu'elle est conforme à l'évolution réelle, au processus réel d'hominisation. Donc, elle est conforme à la science. Et prendre le contre-pied, c'est donc prendre le contre-pied de la science. C'est voilà donc l'intérêt surtout qu'il faut attacher à cette théorie de l'apparition de l'homme en Afrique. Vous voyez donc qu'au tout début, par le plus grand des hasards, l'Afrique a vu naître l'humanité et le peuplement du reste du monde s'est fait à partir de l'Afrique. Et les hommes qui sont sortis de l'Afrique ne sont pas sortis de l'Afrique les mains nues. Ce sont des hommes qui sont sortis avec toute leur industrie constituée. L'homme de l'Orignacien avait inventé une industrie justement. Le Grimaldien, comme je l'ai appelé tout à l'heure, il a inventé une industrie qu'on appelle l'industrie orignacienne. C'est ainsi qu'on l'a caractérisé une fois qu'il est arrivé en France. Mais cet homme est entré en Europe avec son industrie bien constituée. L'industrie orignacienne, dont cet homme est responsable, n'est pas née en Europe. Elle a été inventée de l'extérieur. Et les inventions qui se situaient au niveau de la pierre à cette époque étaient de véritables révolutions. Cela aussi, il ne faut pas le perdre de vue. C'était le sommet du progrès. C'était au moment où l'homme devait affronter la nature, une nature quasi vierge, n'est-ce pas, pour la dompter. Et dans ces conditions-là, qui étaient des conditions extrêmement dures que l'imagination peut à peine aujourd'hui reproduire, les hommes, à cette époque-là, c'est l'Afrique qui a porté aux autres continents.